coquillages. Cassie, elle chasse les souris. Ambre, elle chasse les coquillages. J'aime mieux les coquillages, ça court moins vite. Ça, c'est vrai, ça. Par contre, le seul inconvénient, il y a un point commun fondamental entre les souris et les coquillages, c'est qu'elles sont tous au ras de terre. Et la terre est vraiment très basse. La terre est basse. Et ça, par contre, c'est quelque chose de... qui a en commun la terre entière. Quoi. Bah ouais, plus t'as des grandes jambes, plus elle est basse. Alors ça... C'est un couteau. Voilà. Est-ce que vous connaissez un autre nom pour le couteau? Moi, je connais que couteau. Alors, est-ce que vous connaissez un autre nom plus scientifique à ça? En plus, ça pourrait couper même. Hein. Ça, oui, mais voilà. Et je pense que c'est pour ça que ça s'appelle couteau. Parce que c'est coupant. Ouais. Voilà. Et aussi, non, les chapeaux chinois. Chapeau chinois. Est-ce que c'est un autre nom? Est-ce que tu as un chapeau chinois ici pour nous montrer? Non. Attends, j'ai essayé de trouver. Voilà, là. Je n'en ai vu que des petits. Bon, si j'en trouve, je vous fais voir. Ouais. Parce que là, on est à la plage. Regarde mon pantalon. Vous voyez, moi aussi, j'ai mes boules. Là, on est marée basse. Donc on est toujours à Tavira. L'autre jour on vous avait dit qu'on part plus tôt, mais c'est que finalement on n'est pas parti. On est toujours là. Et pourquoi on n'est pas parti? Eh ben non, on n'a pas de problème, on n'a pas d'emmerde, on n'a strictement rien du tout. Emmerde, c'est le bon mot. On n'a qu'une seule chose, c'est qu'on n'avait pas envie de bouger. On est trop bien ici. Ça fait plusieurs fois qu'on se dit on part pas. Voilà, on n'est pas parti, tout simplement. On n'est pas parti aussi grâce à notre avantage. Les toilettes sèches. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de pipi caca. Et ben voilà. Ouais, mais c'est vrai, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas parlé de pipi caca. Ça fait plusieurs mois. Eh oui. Donc on parle de pipi caca. Voilà. Voilà. Donc c'est grâce au fait qu'on se soit mise depuis l'année dernière, mois de juillet. Ouais, depuis l'Italie. Depuis l'Italie, au bord du lac. Au bord du lago de Lugano. Lugano. Voilà. Et donc, on avait testé les toilettes sèches les plus basiques de la Terre. Oui. Si vous n'avez pas vu, retournez voir les épisodes. Voilà. Trouvez juillet l'année dernière. Donc, grâce à ça, ben, on peut rester plus d'une semaine. Ouais. En faisant attention à l'eau, bien sûr. Oui, toujours un peu. On a nos bouteilles d'eau, on a notre réserve d'eau à boire. Et puis, parallèlement, ben, l'eau, le reste de la réserve, on fait attention. Mais on a du mal à partir. Hein. Oui. Là, on doit vraiment bouger lundi parce que mon modem Portugal Internet s'arrête dimanche. Ouais, le donc 31. Lundi, j'ai l'obligation vraiment de mettre dans la boîte à lettres. Parce que le tampon de la poste fois à fois. Ouais. Mais sinon, on va être obligé. Mais donc, on a vraiment du mal à bouger tellement on est bien, bien ici. On peut dire qu'on est trop bien parce qu'on n'arrive pas à bouger. Et qu'est-ce que tu ramasses là? Alors, montre-nous un petit trésor. Alors, donc le fameux couteau, mais il y a aussi des huîtres comme ça, j'aime beaucoup. Oui. Des tout simples comme ça, oui. Aussi que je vais peindre. Oui. Et j'ai très très envie, du coup, ça me donne des idées pour faire des... Ça, ah oui, la pure nacre. Hein. Ouais. Et pour recommencer à peindre... recommencer à faire des tableaux, j'ai envie de faire des compositions avec les coquillages. Ouais. Je ferai sûrement des petits bijoux aussi. Ouais. Des tableaux maritimes. Oui, voilà, des tableaux maritimes. Mais j'ai envie de mettre aussi en avant ou des vannes, des boulites, comme tu dis, des camping-cars, des choses comme ça. T'as d'esprit un peu nomade, mais avec les coquillages et tout. Je vais voir ce que je vais faire. J'ai aussi envie, en peinture, j'ai envie de faire des dessous de verre, avec l'état d'esprit aussi, comme ça. Bon, pas avec les coquillages, parce que ça a sûrement craqué. Ouais. Ben voilà, plein d'idées. En tout cas, je peux maintenant, parce que, voilà, je suis toute fière. Alors, regardez ce t-shirt qu'elle a ressuscité, parce qu'en fait, elle ne mettait plus. Ouais. Et elle a pris un t-shirt. Le voilà, t-shirt. Celui-là. Voilà. Elle a rajouté un autre t-shirt, là, et sur le côté, et autre côté. Elle a élargi son t-shirt. Ouais. Maintenant, mais tu vas nous faire la danse de Marilyn Monroe, ou quoi? Oui. Voilà. Non, mais c'est très bien.
bien, c'est très bien fait, tu as très bien réussi. Et c'est tout faire à la main, hein, en plus. Ouais, j'ai tout cousu à la main parce que la machine, c'était trop compliqué, j'arrivais pas trop. Et puis, dans notre vie de liberté, et ben, c'est vrai que je vois Chrissa, toi, t'es pareil. Je sais pas, mais on a envie de vêtements amples, de vêtements féminins, mais amples, où on se sent libre aussi dans notre corps, quoi, tout simplement. Et ça, ça me plaît. Et je vais vous faire voir dans quelques jours, peut-être. Oui. Si on arrive à partir, parce que j'ai pas envie de mettre de robe ici. Ouais. Et la robe grise, oui. Que j'ai métamorphosée, Chrissa voulait plus son écharpe grise. Ouais. Et moi j'ai kidnappé, donc pas kidnappé ce qu'elle m'a donné, une écharpe grise que j'ai adaptée aussi. En fait tu verras, j'ai pris un t-shirt noir aussi pour faire une robe à manches courtes parce qu'elle était sans manches. Ben, je suis contente parce que Chrissa, elle est fière de moi, donc je suis contente. Ah oui, là, je suis vraiment fière de toi. Tu as super bien travaillé. C'est très joli. Ouais, parce que j'appréhende toujours le regard de Chrissa. Oh, non, mais arrête. Parce que moi, j'y connais rien. Mais c'est vrai que je crains son regard parce que oui, elle y connaît vachement. Moi, ça fait quelques semaines bon, que je me suis mise à la couture. Mais bon. Mais c'est qu'en fait, moi, je connais peut-être les techniques, mais toi, tu as beaucoup d'imagination aussi. Ouais, mais bon. Donc, voilà. Il faut de la technique pour arriver à coudre. Et là, vous voyez, par exemple, ça, là, j'ai eu l'idée, parce que. L'idée, je l'avais. Mais j'ai pas coupé, j'ai seulement décousu, parce que Chrissa m'a dit attention, si tu coupes. Oui. C'est très. Bon, comme c'est matière t-shirt. Ouais. Alors, donc, du coup, j'ai gardé l'idée, j'ai défait la couture. Voilà, parce que j'écoute vachement, quoi. Ouais. Ben voilà, quoi. On s'amuse bien. Mais maintenant, j'ai fini ma couture. J'ai fini toutes les rectifications de vêtements. Ouais. Donc maintenant, je vais me remettre à fond dans la peinture, dans la création. Tes petits doigts cherchent le pinceau, là. Ah ouais. Là, je sens dans les tripes. Il faut que je peigne. Ouais. Il faut que je peigne, il faut que je dessine, il faut que je fasse des choses comme ça. Un domino. Et Domino, il nous suit. Eh bien, il a vu encore avec deux autres chiens. Non, Domino, s'il te plaît, reste ici avec nous. Hein? Ouais, viens. Viens, mon titi, viens. Alors, donc, ce matin, j'étais ici. La plage, elle était beaucoup moins large. C'était marée haute, ou presque. Et là, c'est marée basse. Regardez comme c'est beau. Là, en fait, derrière, tout au fond, là, je vois mal, j'ai pas mis mes lunettes. Là, tout au fond, c'est la sortie. Vous voyez un peu les vagues, là, les grosses vagues. C'est la sortie pour aller dans la mer. Parce que nous sommes dans une baie, des lagunes, je sais pas comment. Ouais, je sais pas comment on dit. Au fait, il y a deux rivières. Fleuve. Ouais. Il y a un ici, voilà. Et un autre qui est là derrière, l'autre côté, un peu plus loin. Donc, on est en fait au milieu, entre les deux, ça fait un genre de langue de terre entre les deux fleuves. Bah, comme le bassin d'Arcachon. Et, en gros, comme le bassin d'Arcachon, la seule chose que la langue de terre que vous voyez là en face, en fait, c'est une île. C'est une île parce que c'est très 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 long. J'ai regardé tout à l'heure sur la carte, ça va très très loin, beaucoup plus loin. Mais c'est une île, on est vraiment au milieu entre deux fleuves. Ouais, mais par contre là c'est la vraie. Là c'est l'ouverture à l'océan. Voilà. Et là c'est l'ouverture, la vraie ouverture à l'océan. Voilà. Donc, attendez, pardon. J'ai trouvé un chapeau chinois. Un chapeau de chinois. Voilà. Donc là c'est tout petit. Mais bien sûr, ça peut devenir beaucoup, beaucoup plus gros. D'accord. Donc moi, j'appelle ça chapeau chinois. Est-ce que vous connaissez l'autre nom? Je ne sais pas, le nom un peu plus... Voilà, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas gardé parce que le caillou, il est trop lourd. Non, t'as pas besoin du caillou. Mais j'ai gardé quelques petits cailloux qui étaient vraiment jolis pour mettre dans mes compositions. C'est ce qu'on avait trouvé hier aussi. Oui. Des cailloux incrustés ou des moules, des coquillages incrustés. Mais je vais vous faire voir tout à l'heure. Ouais, c'est très joli. Allez, au revoir, chapeau chinois. Allez, on s'approche un peu de l'eau. Allez. Il y a du monde là. Et oui, là c'est vraiment marée basse parce que vous voyez de là jusqu'au là, ce truc là, c'est un genre d'île aussi. Mais à marée basse, on peut passer à pied là. Tandis qu'on ne peut pas passer l'autre côté vers l'autre truc de terre, là, vers l'autre lagune ou langue de terre, je ne sais pas. Ici, on peut passer l'autre côté, on ne peut pas passer. À marée haute,
on passe pas. On y va à la nage, mais on passe pas. Non. Voilà. Vous voyez le monsieur là avec le t-shirt vert flashy. Je pense qu'il ramasse. Non, on a déjà vu hier. Je pense qu'il ramasse des bigorneaux comme j'ai vu tout à l'heure. Ouais, des bigorneaux, des huîtres, des moules. Ouais, mais je pense qu'il ramasse ça. Bon, moi, c'est pas trop mon truc de les ramasser vivants, mais bon. Ouais. Alors, c'est ce que vous entendez derrière, là, le bruit, le boum, boum, boum. C'est tout au fond, là. Là, je vois rien. Rien, là. Enfin, derrière le bateau, là, le truc bleu, il y a une grue, et puis il y a... je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un gros marteau pour percer des trous, pour planter des poteaux. Parce que je crois qu'ils sont en train de construire un ponton là. J'ai tout, c'est l'impression que ça me donne. Donc, pour fixer le ponton, là, il faut les poteaux. Et on voit bien, il y a des poteaux là déjà. Il y a un qui est planté derrière, un autre le début. Et là, ils sont en train de creuser des trous. Et c'est toute la journée. Ouais. Ils font une pause entre midi et 15h, mais par contre, après, c'est jusqu'à 6h le soir. Bon, au bout d'un certain temps, on non, mais ça va. C'est pas méchant. Hier, il n'avait pas du tout. Non, donc, tu ne vas pas te transformer en râleuse. Hein. Je râle pas. Ça je va. Ah non, ça je râle va. Pas. Du tout. Je constate, c'est tout. Bien. Je ça vous va. Explique l'origine du bruit. C'est bien. Parce que, comme on entend des fois des râleurs, il n'est pas question qu'on soit contaminé par les râleurs. Non, nous, on est heureuses, point terminé. On est heureuses ici. Allez, on continue à ramasser quelques coquillages encore, parce que moi aussi, du coup, je commençais à ramasser quelques coquillages. Je suis contagieuse. On va aller un peu vers les cailloux, là, pour voir si on trouve un peu ouais, bien. Parce qu'il y a plus de coquillages. Allez, hop. Je te vois pas. Tu veux bien dire au revoir? Moi aussi, j'ai ramassé quelques coquillages, mais j'ai beaucoup moins qu'ombre. On n'a pas les mêmes projets non plus. Non. Hein. Comme moi, j'ai moins de laine. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, allez, j'y vais. Allez, vas-y. Je vais leur faire voir ma première collecte. Allez, je vais passer par chez toi. Passe par chez moi. Je vais passer par ta terrasse. Passe à côté de coquilles, t'as bien raison. Voilà. La terrasse de madame. Alors là, vous devez être dans l'obscurité. Et là, voilà ma première chasse aux coquillages qui est en train de sécher. Je les ai lavés à l'eau douce, bien fait tremper, nettoyé avec une vieille brosse à dents. Et maintenant, ils sèchent tranquillement avant expérimentation créative. Alors j'ai plein de belles choses. Regardez ça. Attends. Toi tu te colles. Hein. Regardez comme c'est joli. Regardez-moi ça. Comme la nature est merveilleuse. J'adore. Donc plein de choses à faire. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Gros bisous et bon week-end !